Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Nous sommes dans la cafette et j'aimerais profiter d'un pouvoir. Voilà, et si j'ai encore de l'hypopsie, je me disais merde, j'en ai plus. On va m'en mettre un petit coup, crac, voilà. On va essayer de libérer les humains qui sont dans le... Tu peux pas m'attraper, hein? Voilà, lui il est libre. Ça va aller, mon ami, ça va aller. T'inquiète pas. Ah, c'est vrai que j'aurais pu tout simplement aussi les taser. Est-ce que je me rends... S'il y a plus de pantin, est-ce que je me rends par là? Vous allez mourir de faim. Je vais quand même aller aux capsules de vie. Sans trop savoir comment d'ailleurs, parce que je sais qu'à droite au fond c'est coincé. Ah oui d'accord, faut que je passe par le... Ok, faut que je passe par là. Ok. Un deuxième. Ok, c'est bon. Oh, va y avoir un ennemi qui va venir me chasser par là. Vous allez voir. J'y mets ma main à couper. Ok, merci. Eux sont morts par contre, hein. Une note. Carte au trésor de Rosaline. Oh là 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 là. J'essaie de joindre Abby, mais elle répond pas. Surtout. Alors attendez. Carte. Ne viens pas. Emma, surtout. Donnez. Emma, je t'entends mal. Ça va. Abby, la forme est bizarre, hein. L1. Pas me forcer s'ils peuvent. Attention, combinaison endommagée. Qu'est-ce qui m'a attaqué? J'ai perdu des points de vie, je sais même pas pourquoi. Donc là, calmez-vous, c'est moi qui le fais, hein. Comment ça, je peux pas reprendre un... Ah, parce que je suis déjà à fond. Ok, modification d'arme, est-ce que je pourrais pas faire ça? Ça, je peux le virer, du coup. Jeter. Est-ce que je peux pas modifier une arme, au passage? Ça, je devrais pouvoir le modifier, non? J'en ai combien? 11, bah oui. Ok, ici. C'est le mien, ça? Apparemment. Améliorer, je peux peut-être l'améliorer au dernier niveau. Non, toujours pas. Ok. Ok, j'ai donc pu gagner un petit peu d'espace. Faudrait que je vois aussi si je... Pardon, si je peux pas virer l'alcool. Je peux prendre juste les armes dans le... Ok, bon, je suis assez content de les avoir sauvés en partie. Je pense qu'il faudra juste que je...
Fasse attention. J'en entends pas d'autres. Habituellement, ils sont assez bruyants, les... ces humains. Neuromode. Cool. Utilité. Transférer le dossier. Je veux pas faire ça. J'imagine que c'est le plan de la rabalétrière. Suite de la direction, d'accord, je l'avais déjà il me semble. Ah, ils ont cru me voir. C'était dans leur tête. C'est dommage parce que l'endroit est sympa en plus. Ah, c'était de la fumée. Excusez-moi, je croyais que j'avais une entité bizarre qui sortait du truc. Attends, tu t'es relevé toi? Attendez, parce que s'il se relève, je vais pas m'amuser à perdre mon temps. Je l'ai vu lui par contre. Alors attendez, il faut que je fasse une petite sauvegarde parce que là ça va pas le faire. Excusez-moi. Voilà. Là ça ne va pas le faire, je peux faire ça. Oula. Oula là. C'est pas comme les autres humains. Ok, maintenant j'aimerais récupérer cette arme. Ok, c'est bon, c'est mon dernier scan sur eux. What? Il avait un baroud d'honneur, ce con. Par contre, je crois que j'ai achevé l'autre personne. Je suis pas sûr, faudrait que j'aille vérifier. Mais je crois que je lui ai malheureusement fait beaucoup trop de dégâts. Ok, voyons voir. Ah non, c'est bon. Tout va bien. Par contre, il me faudrait vraiment de quoi me régénérer. Là, sans vouloir vous vexer, j'ai vraiment besoin de régénérer et c'est pas ici que je vais la trouver. Cool, cool, cool. En fait, même, je ne vais rien trouver du tout ici. Par des ganglions de typhoon. Cool. Cool, cool, cool. Perte de temps. Perte de temps. Vous avez vraiment rien d'autre sur vous, les gens? Que je puisse profiter d'une certaine... Ouh. Ah d'accord, oui, non, c'est parce que je pourrais aussi passer derrière eux. Mais bon, le principe de les sauver, je trouve ça plus honnête. Ouh. La bouffe? Ah non, c'est pas de la bouffe. Ça, c'est de la bouffe. Elle doit être au-dessus. La sale bête doit être au-dessus. Sinon, ça me dit toujours pas par où il faut que j'aille pour aller. Capsule de vie de l'équipage. Oui, j'y suis. Attendez, qu'est-ce qu'il faut que j'y fasse? Objectif. Escape pour trouver les échantillons vocaux de Daniel Shaw, d'accord. C'est pas celle-là.
Celle-là. Alors comment... De Sky. LAN, machin. Non. Je l'ai trouvé. D'accord, bizarrement, je suis passé à côté de tout ça. Oh, c'est bien la musique. C'est comme si je pouvais voir la partition dans ma tête. J'ai l'impression d'en être capable depuis toute petite. D'ailleurs, tu vas monter sur scène avec moi, pas vrai? Seulement pour te rattraper si jamais tu t'effondres. Et seulement si tu m'empêches de frapper Alex si je suis bourré. Donc, alors attendez. Utilitaire. Décharger la carte de la zone, ça va nous faire du bien. Excusez-moi. Oh là, c'est quoi ça déjà? Distributeur d'opérateurs. Et moi, il me faudrait plutôt un truc pour faire de la du recyclage. Est-ce qu'on a ça dans le coin? Oh, on a ça là-haut. On a ça là-haut. Cool. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Enregistrement de surveillance. Rapport de surveillance. Ok, d'accord. On était tous surveillés finalement. 5975. Conteneur 3232, c'est de l'autre côté de la zone de fret B, près des tunnels de service. Quand j'étais chef de l'Institut Spatial, personne me demandait de planquer de la bouffe dans un conteneur. Vas-y, mollo, c'est pas faux. Sanguille, d'accord ? Recreation Center. Ouf. Alors là, s'il n'y a pas des ennemis là-dedans... Pour être honnête, je suis même déjà étonné qu'il n'y en ait pas là. La mouche. Ah bah c'est un... Un autre poltergeist. T'es où ? Viens me voir. Oh putain, je les ai déjà tous fait, cool. Voilà, ça t'apprendra. Ha ha ha. Sympa l'endroit quand même. Ah là 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 là. N'empêche que je me fais agresser. Il y a tellement d'alcool dans cette région, c'est fou. Tellement peu de medikit, mais tellement d'alcool. Bouh. Merci téléphone. Cookie spiralé, cookie. Frites. Ah, des frites. Si ça te dérange pas, attends, j'aimerais manger un petit bout, voilà. Oh, moi qui pensais qu'il y aurait un truc derrière. Mais non. Je suis vexé. J'avoue, je suis vexé. Bon, on monte, hein. Ah, il faisait du RP. Putain, la forteresse des... Ah, oh, génial. Génial. J'adore. J'adore. Cabine d'Abigail Foyle. Donc je pourrais rentrer dans les cabines. Dès maintenant, on va dire même. Oui, j'ai mangé les bonbons sans raison. Et alors? Note. Carte au trésor d'Elgarod. Putain, mais faut les trouver, quoi, les endroits. Oh, vache. Feuille de personnage. Ah, elle est colorée celle-là, il était peut-être plus fan. Elgarod a disparu dans les ténèbres de la tour. La seule trace de sa présence est une traînée de sang. Mais en observant les dalles, vous remarquez qu'elle semble absorber le sang. Bordel, c'est dégueulasse. Fais pas ta chuchote, soit on passe par la porte. Pas question, elle vient de bouffer notre guerrier. À moins que tu puisses t'occuper d'une horde d'hommes rats. Sans magie, on n'a pas trop le choix. Elias, pardon. Elgarod. Capitaine Elgarod. Je peux lui répondre. Jamais content. Certainement pas. Aucun son n'émane des ténèbres. Elles ont englouti Elgarod. C'est tout? Complètement.
torche et... Salut les gars, désolé pour le retard. Il y a eu une mise à jour de l'OS de la station. J'ai dû tenir Bellamy par la main pendant toute l'opération. Habite à ma fiche de perso. Ah, t'es venu. Oui, elle est là. Hop. C'est mignon leur petit RP. Par contre, ils ont l'air d'être bien copines, si vous voyez ce que je veux dire. Oh la vache. J'en ai tant que ça ? C'est vrai que j'en ai récupéré un paquet dernièrement. Oh là 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 là. Je vais en mettre une là. L'alcool, je suis désolé, je le mets. Parce que me servira pas. Et que j'en ai beaucoup trop d'ailleurs. Les frites, je les garde, ça c'est clair. Les antirades, je les garde. La bière, le bourbon, je les mets. Voilà. Ça aussi. Est-ce qu'il me reste quelque chose ? Apparemment non. Oula. Vas-y, recycle ! Ça va nous faire du bien, ça. J'aimerais bien qu'on ait un truc pour créer des trucs de soins, ce serait bien aussi, mais on en a pas. Malheureusement. Du coup, je sais pas si j'ai bien fouillé l'endroit. Ça, il est juste au-dessus, quoi. Cette saloperie est juste au-dessus. Bon, c'est pas grave. J'ai vu aussi qu'il y avait quelqu'un dans la cage d'escalier. Ah bon, il y a quelqu'un qui m'a repéré aussi, là. Bonjour. Apparemment, il y aurait une entité qui m'a repéré. Je pense que c'est l'entité qui est justement en haut. Bon, on va par là. On verra bien. Advienne que pourra, maintenant. Par principe, je vais en quick mettre ça. Non, non, t'inquiète. Endors-toi. Il y a un monsieur là-bas. J'ai plus du tout de... Ok. Je croyais que je l'avais annulé. Sauf vous, si vous contrôlez encore votre cerveau, c'est bon signe, pas. Parce que les autres ici, non. Hypopsie nullifiée. Quand ils approchent, ce sont des pantins, des bombes. Leur maître est proche. Tuez les bêtes, les pantins ou les deux, mais tuez-les avant qu'eux ne vous tuent. Quand les pantins... Là, je dois l'avoir eu. Plus là, alors peut-être qu'on parlera. Ok, là, je l'ai eu, c'est certain. Tuer, sale bête. Où elle est? Bah, elle est où? Ah putain, c'est autoguidé, j'avais oublié. J'avais oublié l'aspect autoguidé. Autant pour moi. J'avais oublié l'aspect autoguidé. Hop, autant pour moi. Chargement rapide. C'est ma faute. J'avais oublié l'aspect complètement autoguidé du truc. Donc, en fait, ce qu'il me faut finalement. Au-delà de ça, il faut que je prenne ça aussi. Voilà. C'est ça qui nullifie, hein. Dans 10 secondes. Si vous soyez fuyés, il n'y a plus de nourriture. Sauf vous. Si vous contrôlez encore votre cerveau, c'est bon signe, parce que les autres ici, non. Tirez avant qu'ils approchent. Ce sont des pantins, des bombes. Leur maître est proche. Tuez les bêtes,
Les pantins ou les veaux, mais tu es laid. Aventure de vie. Ok. Tu, dans les pantins, oh la vache. Plus là, alors peut-être qu'on parlera. Les pantins sont plus là. Pas comme je l'aurais espéré, mais ils sont plus là. J'aurais aimé ne pas en tuer autant. J'ai une régène. Putain, si j'avais su que j'avais ça. Vous pouviez pas avoir un petit peu de bouffe sur vous? Putain, je suis quand même dans un resto, quoi, merde. Un tout petit peu. Ah oui, non, il a dit qu'il avait vidé tout le resto. Il a dit qu'il avait vidé tout le resto, ce con. Espèce de... Putain, il a dû réparer son armure. Je passe par là. Ça me ferait chier de me faire Vous n'entrez que si je vous laisse entrer. Je fouille en haut. C'est un peu bourrin ce que je fais quand même comme type de gameplay. Hein. Je sais que je fais plus de dégâts par derrière, tout ça. Ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Mais bon, c'est comme ça, j'aime bien aussi. Ça rajoute un petit peu d'action. Si je puis dire. Et j'ai une amie qui a été malade le week-end dernier, vous voyez, elle a chance que je vais la voir. Eh bien, docteur Morgan, quel plaisir de vous revoir. Raclette ! Une raclette ! Votre combinaison. Il y a quoi sur votre étiquette ? C'est... You ? M-U ? Oui, M-U. Morgan You. Vous avez tué la bête vous-même ? Si vous voulez entrer, être en sécurité... Allez, chercher quelque chose qui est à moi. Hein? Tenez, la clé. Pour ma chambre. J'y vais. Allez chercher ma récompense. C'est important pour moi. Ensuite, peut-être qu'on parlera. S'il active ses tourelles, il va savoir aussi sec que je suis un infecté. C'est certain. C'est pute. Mais c'est certain. Et on a bien vu qu'il avait des tourelles derrière lui. Ah la vache. C'est tendu du slip. Ne vous inquiétez pas des sautes électriques. La station est juste blessée. Continuez. Je savais que j'avais ici quelque chose. T'aurais pas un genre un petit peu de bouffe? Il y a un mec qui m'en donne, l'autre, mais il a pas voulu. Je l'ai pas. Piratage. Plus il est que de niveau 1. Là, j'ai dit que de niveau 1, vous allez voir que je vais en chier. Voilà. C'est bon. Utilitaire. Trésor caché. Oh putain. Dossier, fléchette pour la batterie. D'accord. Conversation archivée. 24-05. La réalité dépasse la fiction. J'ai eu une réunion avec le grand Alex Yu aujourd'hui. Il m'a encore sorti ses excuses bidons. Entre lui et Morgan, c'est une tradition familiale. Le fameux désolé des Yu. Encore plus hypocrite que des excuses à la Daniel Show? Non, Daniel. Je dis pas que travailler avec eux est une sinécure, mais... Tu viens de me comparer à lui? JTT 88.
Y'a rien. Continuez comme ça. T'as raison. Va-t'en. C'est fini entre nous. Daniel, j'ai dit va-t'en. C'est pas son high score. Putain. Il y a un mot de passe secret que je ne connais pas. Tellement il est secret. Merde, mais je veux savoir. J. Ouais, non, non, même pas. Ah. Je veux savoir ce que c'est. Hop. Alors, de ce que j'en ai vu. Putain. Donc ça c'est le mot de passe de son téléphone, de son truc, avant le hack. Oh là 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 là, vous avez vu, je veux ce qu'il faut chercher. C'est pas ça donc. Alors apparemment, si c'est ça, bah non, je suis un peu déçu. Non, bah non, c'est pas ça. Il est possible que je nous a bouffé un debuff. Pour avoir cherché sur internet. Non, apparemment ça va. Alors apparemment il faut que je trouve chacune des cartes au trésor. Donc là on a le Garrod. Tout ce qui est carte au trésor en fait, c'est ça tout simplement. Faudrait que je les retrouve toutes. Okay. C'est code, d'accord, ok. Oh là 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 là. Alors attendez. Oui bon bah apparemment j'ai pas le droit à l'utiliser le code, sinon je me bouffe un debuff permanent. De mieux en mieux. Bon bah écoutez, on y va, alors on progresse hein. Remarque, ça empêche de tricher hein. Ah oui, apparemment j'avais regardé ce que t'avais sur toi. Ok. Non, c'est pas la bonne. Chambre du cuisto. Ok. J'aime pas le bruit. Qu'est-ce que vous lui avez fait, Mitchell? On dirait une pub pour les Choco Burps. Bah, pour moi, c'est une légère amélioration.
C'est juste le séquenceur de conversation de l'opérateur. Apparemment, il m'aime bien. Lugubre d'habitude. Vous savez combien de protocoles je vérifie maintenant. Morgan m'a dit que je pouvais. Oh. C'est pas parce que je dis des choses qu'il faut le faire, hein. Hop. Mise à jour remote. Pardon. Récompense de Toc Chef. Ok, je l'ai. Le mec, il a un diplôme de l'Institut culinaire. Quand même. Je voulais vérifier si c'était bien. Si c'était bien fichu. Ça devrait suffire à synthétiser la voix de Daniel. Et à Bernay, cool. Au stockage. Au d'accord. Fait, j'ai effectué un suivi des variations des signatures de champs noétiques dans la station. Voilà. Avec les humains, le signal est à peine audible. Le typhoon crée une onde bien plus forte. Mais avec le corail. Les relevés sont inconstants. Je ne sais pas quoi en penser. Mais si MU. Il faut trouver votre clé d'armement. Plus tôt sera le mieux. Vous êtes de retour, venez à la fenêtre. Oh. J'aimerais clarifier une chose. J'ai dit que le signal s'entendait à peine pour les humains. Mais quand je vous scanne, vous, on atteint le niveau d'un typhoon. Je suis devenu un typhoon. Je suis littéralement un typhoon. Vous avez trouvé quelque chose ? Ah. Je dois vous laisser entrer. J'ai promis. Faites le tour. L'entrée latérale. Contrôle des machines. Contrôle des machines, c'est là. Non, c'est pas ça. C'est là. Je pourrais le mettre. Ça pourrait m'aider. Bon. Il nous en reste 3. Il nous en reste 3. Falloir que je prenne ça. Ça me semble logique. Ça aussi c'est viable. On l'avait pas pris, mais dit qu'on l'avait pas, on l'avait pas repris du coup vu qu'on l'avait perdu au moment où on a eu un gros bug. Attendez. Une minute. Échapper au cauchemar ou tuer-le. En sécurité maintenant. D'accord, le cauchemar a failli faire bugger encore le personnage. Mais regardez ça. On a de la nourriture, mais pas d'eau. Le régulateur de pression, il est cassé. Non. Arrêt automatique jusqu'à réparation. Vous trouverez une pièce de rechange dans la serre, je crois. Oh non. Avec non. De l'eau, on peut attendre les secours. Pas d'eau. Non, hein. C'est bon, je l'ai moi. Rendez-moi ce service. Et vous entrez dans le congélateur. Non, non, mais c'est bon, j'ai pile poil ce qu'il faut. Oui, t'as peur du machin. S'excite, lui, hein. J'essaie de me planquer pour voir s'il arrive à m'oublier. Il semblerait qu'il y arrive, hein. Il frappe plus, en tout cas. Si les pantins ne peuvent pas entrer, ils explosent comme une bombe. Boum. La bête pond des œufs dans leur tête et les fait exploser. Hop, c'est pas quelques-uns. Il nous a pas perdu des yeux, hein. Pas d'œuf derrière les yeux, pas de matière noire. D'autres arrivent. Ils essaient d'avoir l'air humain, de me faire ouvrir la porte. Oui. Tu perds un peu le nord, mon garçon, mais c'est pas grave. On t'en veut, c'est tout. Il veut pas se barrer, le cauchemar.
Ok, ça c'est fait. Neuromode, on peut plus. Pistolet silencieux sert à rien. Modificateur d'armes, ça pourrait être intéressant, mais non. Ici, c'est un endroit sûr. Batterie de disjoncteur, c'est pas ça qui m'intéresse. Batterie à rien de mon cul, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Ah, il m'en veut, hein. Mais c'est bon, casse-toi. Bon. Ça commence à être pas si mal. J'ai entendu ce nom. Mais pourquoi personne n'a-t-il mangé son repas à l'heure? Peut-être que vous en êtes un aussi, hein? Vous essayez de me faire sortir. C'est bon. C'est bon. Ok, bon, on va pas être trop mal alors. On va refaire un petit peu. C'est dommage, je puisse pas en faire 3 d'affilée, voilà. Voilà, on est bon. Oula, tu peux bien. Qui c'est qui me pousse là? D'accord, c'est toi. Ok, cool. Bon, bah il s'est barré l'autre trou du cul. Du coup. Putain, je suis en train d'essayer de chercher d'où est-ce que ça fuit. Allez-vous goûter aux anguilles en chute? Mangez si vous avez faim. Mais je vous préviens, ça a un goût d'anguille. Entre autres. Entre autres. Ah bah voilà, c'est là. Tout bêtement. Voilà. Vous le réparez? Astucieux. Merci. Tenez, j'ouvre le congélateur comme promis. Beaucoup de pantins morts et de fournitures. Tu veux pas plutôt que je l'ouvre? Tu veux pas plutôt que je l'ouvre? Je le sens pas. Excusez-moi. C'est un connard. Ok, bon. On fait ça dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, chers amis, en tout cas, on va le niquer, ce cuistot, je le dis, on va le tuer. Il est mort. Il vient de signer son arrêt de mort. On vient de le sauver, on lui a donné de l'eau, et il essaie de nous tuer. Donc on le tue. Salut!